Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divinity 2, la saga du Chevalier Dragon. Donc, on avait une nouvelle zone, une zone de quête avec une mine et apparemment c'est gavé de chevaliers de l'Alliance des Ténèbres que voici, qui sont niveau 11, donc ça va en fait. Pour l'instant ça va en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres là? Attends, mon truc à moi, il envoie des projectiles, c'est nouveau ça. Alors, est-ce que je peux monter là? Non. Yes. Daedalus 2, et bien il est mort. Bah, en fait, si je me souviens bien à peu près quand on est arrivé dans cette zone, on était effectivement quelque chose comme niveau 11, niveau 11-12. Et effectivement, je pense qu'on aurait souffert à cette époque-là. Mais là maintenant, on est niveau 18-19. Pour ces mecs-là, on les défonce. Alors, l'intérêt, c'est surtout de voir ce qu'il y a dans les environs. Et surtout en termes d'histoire, qu'est-ce que ça va nous approcher? Qu'est-ce que ça va nous ajouter? Allez voir. Hop là. Et surtout en termes de loot aussi. Hein. S'il faut, on va trouver quelques objets rares intéressants. On va rentrer là? Tour de la mine, oui. Je ne vais pas pouvoir entrer. Non. Pas de crochetage, ok. Ça, ça s'ouvre de ce côté ou pas? Je ne vais pas pouvoir non, entrer. Pareil. Ok, et... est-ce que je peux rentrer dans la mine? Parce que vu comment elle a explosé, j'ai comme un doute. D'accord, donc il y a... y a rien de plus à faire ou c'est moi? C'est quoi ce truc? Oui, bon, ça on s'en fout limite au pire. C'est vrai que j'ai à nouveau mon inventaire qui est plein. Je sais qu'il est plein, mon sac. Où est-ce que je peux passer là? Je sais même pas. Je peux grimper encore ou pas? Non. Parce que du coup, si je dois rentrer dans cette mine. Attendez, je... non. Bah non, je peux pas aller encore plus haut. Oh. Non, ça passe pas. Mais ça passe pas, hein. Ça passe pas, ça passe pas. Du coup, je vous avoue que je sais pas. Ah, est-ce que je peux grimper là-haut peut-être? On va voir. Il y a probablement une clé quelque part que j'ai juste pas trouvée. Yes. Est-ce que je peux passer par là au pire? Dites-moi que c'est ouvert. La porte ne s'ouvrira pas. Putain! J'ai une quête dans le coin ou pas? Non, même pas, ça m'a même pas donné de quête. Bon bah du coup, on va se barrer en fait. Ça veut dire qu'il y a rien de plus pour moi par ici, a priori. C'est space, c'est dommage. En plus, j'avais encore la musique de combat, c'est ça qui est bizarre. Parce que j'avais pas d'ennemis à aggro, j'avais plus rien quoi. Bon, c'est étrange. Ça on l'avait fait, oui c'est vrai, c'était une des têtes mises à prix. Et comme je disais, donc du coup voilà, maintenant on va finir juste de boucler par là parce qu'on n'y était pas allé. On va repasser au village, rendre toutes les quêtes, et ensuite on va pouvoir du coup boucler. Oups là, qu'est-ce que c'est? D'accord, je vous avais pas vu les mecs. Putain, ils me font mal ces enfoirés. Loupé. Hein? Oh putain, il y a... c'est un grand truc ici. Un truc où il faudrait que j'aille aussi, c'est au temple de Maxos vite fait. Mais je pense que le temple de Maxos, j'ai pas forcément besoin d'attendre pour le faire. Et ces gens-là, ils aggro pas. Tu n'aurais jamais dû t'aventurer dans ce camp, Draconis. On va voir qu'est-ce qu'il a à dire lui. Le garde devient vraiment menaçant. Ouais. Ce n'est pas l'auberge de jeunesse dont on m'a parlé. Pas vraiment, non. Mais tu y trouveras un repas internet. Ouais. Je dois vite trouver un antidote. Je ne peux pas. Encore. Et voilà. Oh! Épée de la vipère. Non, c'est pas une... Ouais, mais après, le problème, c'est que je suis...
Je suis à plein, je suis à bloc. Un plus à ajouter à ma collection. Je suis plein, je suis à bloc. J'ai pas trop quoi jeter, moi, du coup. Putain, la hache de gêne. Elle avait l'air sympa, il faudra que j'aille la revendre. Ouais, bon, ce genre de truc, là, il faut que je les vire. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je laisse derrière? Un bouquin et une bague. Ok. Je peux peut-être juste prendre la bague, quand même. Hop là. Ah, putain, c'est chiant. Bien trop lourd. Ça bug un petit peu, désolé. Alors. Qu'avons-nous par ici? Donc là, on a... Ça, c'est un truc de voyage. C'est juste qu'il est beaucoup plus grand que les autres. C'est quoi? Sanctuaire de la vallée du sud, d'accord. Et de l'autre côté, par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a une quête. Bonjour. Quelqu'un prend enfin le temps de s'arrêter pour admirer cette merveille. Non, les marchands ne pensent qu'à l'or et les soldats à la chopine. Ouais. Ils foulent avec insouciance ce site qui remonte à une époque où l'humanité n'en était qu'à ses balbutiements. Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur ce site? Je suis archéologue. Ah, encore. Mais je dois avouer que ma connaissance de ces pierres est hélas limitée. Les symboles gravés sont trop anciens pour être déchiffrés. Je suis navré, mais là, j'aimerais beaucoup... Oui, bon, voilà, donc il faut qu'on... Vous rencontrez quelqu'un qui a 2000 ans en voyage. Ah, attends, je vais juste regarder un coup. Les bijoux des grimoires sont en sécurité dans les fjords d'Orobas. Et sous la protection des Weavers. Ouais, sérieux, dans les fjords d'Orobas? Alors, donc, quête supplémentaire. J'ai pas vraiment une forme ancienne de la langue des dragons. Je vais avoir bien du mal à trouver quelqu'un qui sache encore lire ses gravures. Non, non, ça, on connaît déjà quelqu'un qui sait lire ses gravures. Qu'est-ce qu'on a là comme ennemi? Le sergent de l'Alliance des Ténèbres. Il défonce bien. Ok. Ouais, d'accord, mon truc est mort en fait. Je dois vite trouver un antidote à ce poison. Ok. Voilà. Du poison. Et ils m'emmerdent avec leur poison, les mecs. Hein. Et il nous reste encore celui-là. Ah, il nous en reste 3 là-bas. Je ne peux pas. Oh, comment j'ai fait pour le louper, lui? Qu'est-ce que c'est? Quel dommage. Bon, du coup, où est-ce que ça nous mène, ça? Qu'y a-t-il ici? La hache de Tagos. Et il y a un bouquin. Madrigal anonyme. What? Il y a un espace insuffisant dans l'inventaire. Ouh, il commence à m'énerver, manquiquiner cet inventaire, hein. Il me faudrait un truc pour pouvoir stocker tous ces objets quelque part. Et on va consommer quelques potions, quelques trucs que j'ai qu'à 1. Voilà, ça va faire un peu de place. Voilà, puis après on va devoir... Donc c'est quoi? Madrigal anonyme. Bon, déjà c'est pas arrivé ici, c'est arrivé là. Non, c'est rien ça. Pff, aucun intérêt. Ok. Et il n'y a pas d'information qui m'indique qui aurait attaqué cette caravane. Ok. On a encore des ennemis dans la région. Attends, on est à quel endroit là? D'accord, on est quasiment à la sortie. Ok. Bon, ce qu'on va faire... On va plutôt faire demi-tour. J'ai pas spécialement envie de passer mon temps à les affronter. On va remonter au portail. Faire un saut à la forteresse de Maxos, là où il y avait le gobelin, vous savez, qui savait lire les langues draconiques. Je pense qu'il va pouvoir nous déchiffrer le truc qu'il y a là. Il y avait aussi le mot sur le parchemin. Je pense que c'est le troisième, et à mon avis ça doit même être le dernier. Vous allez voir, je pense que c'était le dernier. Et comme ça, on va pouvoir boucler ça. Et ensuite, on retournera au village. Putain. Mais je me plains pas. J'adore faire ça dans ce jeu, justement. Faire des allers-retours pour débloquer plein de quêtes et tout. C'est génial.
Voyons voir, c'était quoi? C'était pas le sanctuaire du temple? Ah, non, sanctuaire de la crypte, ça c'était à l'intérieur. Ça devait être celui qu'il y avait devant. Yes, c'est celui-là. En plus, regardez-moi ça, quoi. Ce temple, il est tellement magnifique, quoi, que ça... Toujours un plaisir d'y revenir, quoi. Bon, où est le petit gobelin? Est-ce qu'il est toujours présent ici? Dites-moi qu'il s'est pas barré. Ah, il est là. Je suis content de vous voir, chevalier dragon. Alors, est-ce que tu peux me traduire ce qui est inscrit sur le bout de papier? Il est déchiré sur deux Ah, côtés. quatre Il faut morceaux. Les quatre morceaux pour reconstituer le D'accord, puzzle. Donc il en manque Sinon, un. Il ne peut pas les lire. Moi, je sais oui, tout. Oui. Des écrits de la tribu ouais, donnés sait. À cette personne, un érudit de pacotille. Le dictionnaire de poche draconien révolinien. D'accord. Dictionnaire. Ah, ben il me l'a mis dans l'inventaire. Et ça, c'est quoi là? Brève histoire de Maxence, un le mage dragon. Ça ajouté à ma collection. Ok, donc il me manque. Ça veut dire qu'il me manque. Un espèce de sanctuaire. Comme celui-là. Qu'on n'a pas vu. On a fait celui-là. On a fait celui-là. Ah non, on n'a pas fait celui-là. Ah bon, bah du coup, ce qu'on va faire, on va revenir là, on redescend. C'est con, on était là, on aurait pu descendre. Ok, on va faire ça. C'est parti. Merde, comment il s'appelait? La vallée du sud, je crois, c'était ça? Yes! Youp là! Oui? Juste ciel! Voilà qui est fascinant! Je me lance! Vas-y, s'il te plaît! Fofor comes est magnus! Apparens ut servus. Bon, on va éviter de. Il nous maintient un petit ours ici, ok? Ouais. Ou merde. Que se passe-t-il ? C'est un démon ça. Par l'élu divin, c'est un cercle d'invocation. Je ne peux pas. Ouais, quand même. Boum. Et c'est ça. Marteau de guerre des gardes de Rivellon. Marteau à une main, 23, 28, 10, 12, pas mal du tout. Et fin bracelet serti de joyaux, plus 5 en dex, sympa. Un de plus mais à c'est ajouter pas notre à ma truc. Collection. Hop là. C'est bon, il est mort. Il est mort. Ça, par exemple, quel combat. T'as vu ça un peu? Ne lisez pas n'importe quoi à votre sans savoir la prochaine fois. Le silence est d'or. Je sais. Bon, je pense qu'une Allez. Récompense s'impose. La famille Grémoire est riche et nous sommes. Très bien, merci beaucoup. Donc, il me donne 400 pièces. Non, la masse, j'en veux pas. Voilà. Comme Super. Tu peux le voir, certains livres recèlent de nombreux De nombreux dangers. Ouais, c'est clair. Il nous faudra la pierre draconique pour tous les affronter. Hey. Joli. Ceux qui sont écrits, comme ceux qui sont réels. Donc. On va aller par là-bas. Je pense que c'est là qu'il y aura le dernier. Je sais pas si on pourra aller jusqu'au fjord. Je sais pas si on peut descendre au fjord. Ça doit être bloqué. Ça m'étonnerait qu'on puisse y aller. Pas encore. Bah, déjà, on est pas trop censé passer par là. Parce que ces mecs sont censés être super durs. Donc, quoi que si, ils doutent bien qu'on ne reviendrait pas à un moment donné. Je viens de trouver un antidote à ce poison. Je ne peux pas. Ok. Besoin de me soigner. Allez. Comment ça poutre? Ok, donc ça doit être ça le dernier du coup. Et est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté là-bas? Pas sûr. Mais on va voir. Ouais, putain, je me rappelle pas l'avoir fait cette quête. Je suis content. Alors, en fait, le truc, c'est que la première fois que vous jouez à Divinity 2, vous vous rendez pas compte, vous vous dites, ouais, bon, je vais pas aller partout quand même, c'est long et tout. Et puis, quand vous prenez le temps, c'est ce qu'on est en train de faire dans ce let's play, on prend le temps de regarder vraiment les quêtes, mais c'est gavé de quêtes, quoi. Il y en a de partout, c'est monstrueux. C'en est surprenant, quoi. Bon, ça doit être le quatrième et dernier, ça. Le trésor est proche. Vous êtes si près du but.
Dommage. Ouais. J'ai choisi de vous faire dévorer par un troll. Oh, troll, pas de problème pour moi, ça, hein, tu sais. Coco. Impossible de lancer le moindre sort. Merde. Je manque de mana. Mana. On va peut-être plus prendre celui-là. Ouais, il va me dire que c'est pas bon. Ok. La farte. Il est mort. Je kiffe. Wow. C'était quoi ça? Il est passé où? Ouais. D'ailleurs, je peux te réinvoquer parce que t'as plus de PV. Non mais... Il me manque mon bout de parchemin là. Il s'est téléporté à un autre ou j'ai rêvé? J'avais l'impression qu'il s'était téléporté à celui-là. Il semblerait que j'ai rêvé, il n'y a plus rien ici. Pas de loot, pas de caisse, pas de coffre. Est-ce que ça voudrait dire que le type s'est téléporté à un des autres trucs? Là, vous voyez, on n'a pas de minimap, hein. Je veux dire, on n'a pas de... Il n'y a pas d'aide, hein, qui vous indique où est-ce que vous devez aller ou quoi que ce soit, hein. Donc ça doit vouloir dire que le mec s'est calé à... Alors ça, je sais pas si on peut passer par là pour se barrer de la zone, hein. On va essayer pour voir, mais... Ah. Draconis. Encore ? Enfin, je sens que vous voulez acheter cette maison. Exactement. La moitié maintenant, le reste plus tard. Croyez-moi, c'est une affaire. Bon allez, on va la prendre. Pour 500, allez. Avoir une maison bien à moi me plairait excellent. Assez. Excellent. Je m'occupe d'accord. De la paperasse. Ok. Bon, super. Je pense que je me suis fait arnaquer, honnêtement. Je pense que je me suis fait arnaquer. Mais bon, 500 d'or, c'est pas... On est large, quoi. On les a, hein. Alors, comment qu'on fait pour sortir de cette zone? Il y aura pas... Est-ce qu'il y aura un écran de chargement? Je pense que oui, ça paraît logique. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va y avoir un portail de voyage à l'entrée du... Ah, voilà. Oui, pour voir. Les fjords sauvages. Bah, direct, il y a une quête. Ah, il y a un truc de voyage là-bas. Bon, tant qu'à faire, on y est, on va la prendre. Eh hey, bien le bonjour. Je m'appelle Bernard, prospect. Waouh. L'esprit de Bernard est plein d'informations sur toutes sortes ah, de minerais. Ah, le minerai rouge. Désormais, je vais pouvoir me procurer ce précieux okay. Minerai plus rapidement. Qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Bien sûr. J'ai été envoyé ici ouais. Pour voir si j'avais à peine 1000 pieds à l'intérieur que la lance d'un diablotin a tenté de me faire une troisième narine. Vous m'avez tout l'air d'être capable d'éliminer cette vermine. Contentez-vous ouais, d'être face à la mer. D'accord. Mais hélas, je n'ai pas de bateau. Vous risquez donc d'avoir... Trop beaucoup de minerais, regorge de richesses. Étonnant que le chevalier dragon Robas ait été si riche. D'accord. Mais leur exploitation s'est ralentie à cause de la présence. La carrière la plus active se trouve à Haute Salle. Prenez soin okay. De vous. Ok. Bon, nouvelle quête. Bon, après, l'avantage, c'est que je sais que cette quête, j'ai absolument pas c'est du tout besoin bon. De la faire maintenant. Par contre, ça c'est... Parce que voilà, là on n'est plus dans la vallée machin chose. Oh putain, là par contre, c'est du niveau 18, hein. Ça c'est du niveau 18. C'est plus la même chose qu'avant. Hein. Allez, j'aimerais juste aller au portail de téléportation. Encore. Encore. Putain, je vais pas arriver à le buter quoi. Voilà. Ouf. Chaud. 2660 points d'XP. Waouh. Ah, c'est pas la même chose par ici, hein. Impossible de lancer le moindre sort. Alors, je sais même pas ce que c'est cette affliction là. Je crois que c'est une espèce de malédiction qui me met. Donc. Alors, ça va être l'heure de toute façon. On va revenir dans le vallon brisé.
si j'essaie d'aller au sanctuaire de la vallée de l'Ouest, est-ce que il y aurait moyen d'être pas très loin d'un de ces trucs? Ouais, il y a celui-là qui est pas loin, là. On va essayer d'accéder à celui-là. Où qu'il était déjà. Ah, c'est ça, c'est ça. Faut que j'aille par là. Est-ce que c'était ce truc là-bas ou c'était pas plus proche? Ah si si, c'était ce truc là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je doute qu'il soit celui-là. Mais bon, on va tester, on va aller vérifier quand même. Là, il est bien à un de ses sanctuaires, c'est obligé. Ça ne veut pas être à celui-là. Ok. Où est le suivant? Beleg. Ah ben voilà. Donc il faut que j'aille vers la gauche. Et il est par là-bas. On va finir ça vite fait. Hein. Est-ce que je peux passer par là au moins? C'est mal barré ça. On doit refaire le tour. Eh merde. Donc ce Bellegarde. Je me demande ce que ça va donner cette quête. D'ailleurs, il n'y a pas le mec avec les poulets ici, si. Toujours en vie, on dirait. Où est-ce qu'on est là par rapport à lui? Ok, c'est bien par là-haut qu'il faut aller. Et pas retourner au temple. Ok, et à partir de là... C'est con que la minimap ne puisse pas la dézoomer. Ah mais attendez, je sais où est-ce qu'il est. Ah c'est bien ça. Il est au premier sanctuaire où on avait rencontré la Talana, le chevalier dragon, qui nous a réveillés. Ok, donc il y avait 5 sanctuaires au final, au total. Si on compte celui-là. Salut. Vous avez tué mes serviteurs un par un. Ouais. À moi les richesses. Ce mec il fait beaucoup dans le théâtre. Il n'y a point de récompense dans ma tanière. Mais vous pouvez tous les combattre à nouveau. Tous? En même temps? Oh, c'est trop gentil. Pas encore. Et de 1. Et de 2. Loupé. Allez, crève. Ok. Et le troll. Allez, viens te battre. Je vous en prie, partez. Et je vous donnerai de ces choses jaunes, inutiles et brillantes. Ce mec m'énerve. J'espère que nous sommes débarrassés de ce rimailleur fou. Moi aussi. Waouh, tout ça? Bon, il n'y a pas grand chose à chaque fois, mais... presque étonné d'avoir la place pour tout prendre, mais parce que c'est des objets que j'ai déjà, donc ça s'entasse en fait. Minerai de malachite. Joli. Ah d'accord. Il pourrait pas se disparaître une fois qu'ils sont vides. Et tête de gobelin légèrement abîmée. Ah là j'ai pas la place. Putain de. Sac est plein. Je me saoule ça. On va voir. Ce que j'ai en un seul exemplaire par ici.
De toute façon, on sait que ces objets-là sont pas des objets de quête, donc on peut les détruire. Ok, la tête de gobelin. Et du coup, bah... Ce que je piche pas, c'est... Non, ça, je m'en fous. Les têtes mises à prix, ça, je vois rien. Ok, ça, ok. Oula, il va falloir que j'arrête la vidéo. Ça fait 25 minutes, en plus. Je réfléchis parce que... Il y avait cette histoire de parchemin, là. Lequel ? 1, 2, 3. Où est-ce que j'avais chopé ces trucs ? Est inscrit un unique mot dans... Skopgerog. Peut-être que quelqu'un pourra... Skopgerog. C'était pas... C'était pas ces trucs. C'était pas ici qu'on les chopait, ces machins-là ? C'est ça que je comprends pas. Il me semblait que c'était lui qui nous les avait donnés. Bah, qu'on les avait récupérés sur les monstres à leur mort. Je suis dubitatif. Très dubitatif. Bon, où est notre portail le plus proche, là ? C'est celui-là ou celui-là ? Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et puis, bah, dans le prochain, on va... Ah, putain, ça me saoule. J'étais persuadé que j'allais avoir un quatrième parchemin. C'est bizarre. Vous me direz. Bon. Ah oui, d'ailleurs, il y a ce truc là-bas aussi que j'avais jamais activé au final. Il y a encore des choses qu'on n'a pas faites dans ce jeu. Enfin, dans cette zone. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours des choses à faire, quoi. Où était le portail ? Il était pas par là ? Ah, il était au niveau de ce campement. Voilà. Voilà, je vous laisse là. On va juste faire le voyage... C'est comment que ça s'appelle déjà ? Le village, voilà. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Allez, salut à tous !